Salut, c'est Thomas, Français Immersion TV. Dans cette vidéo, on va parler des magasins. Dans un village ou dans une ville, il y a plusieurs magasins, comme la boulangerie, la boucherie, la bijouterie. Allez, viens, on va voir ces magasins ensemble. La bijouterie, où on peut acheter des boucles d'oreilles, des colliers, même des montres. Le magasin de vêtements. Une pâtisserie pour acheter des gâteaux, des tartes. Un fleuriste pour acheter des fleurs, un bouquet de fleurs. Une boulangerie pour acheter une baguette, du pain, des petits pains. Le bureau de tabac. Le bureau de tabac où on peut acheter des cigarettes ou aussi des revues. Le cordonnier où on peut faire réparer ses chaussures, le cordonnier. L'opticien pour acheter des lunettes. Une boucherie charcuterie pour acheter de la viande, ça c'est une boucherie, et charcuterie pour acheter du jambon, de la saucisse. Et une pharmacie pour acheter des médicaments. Et puis il y a d'autres magasins comme la librairie, une librairie. Une librairie, c'est un endroit où on peut acheter des livres. Il y a aussi le magasin de jouets pour acheter des jouets. Il y a aussi la poissonnerie. La poissonnerie pour acheter du poisson. Il y a aussi l'épicerie pour acheter des conserves, des pâtes, du riz. Le magasin de fruits et légumes pour acheter des fruits et des légumes. Il y a aussi la crèmerie. Alors la crèmerie, c'est pour acheter tout ce qui est à base de lait, comme le fromage, les yaourts, le lait, la crèmerie, ou on dit aussi parfois la fromagerie. La fromagerie ou la crèmerie. Et puis pour acheter des clous, des vis, des outils comme le marteau ou le tournevis, il y a la quincaillerie. La quincaillerie.
Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Alors, n'hésite pas à mettre un like et de t'inscrire à ma chaîne YouTube. Allez, salut !